Hey, ça, c'est une photo où on montre exactement qu'est-ce qui est arrivé. Mais il y a tellement de choses à décoder. Parce que notre système, quand ils font des false flags comme ça, ils envoient des signaux. Les signaux sataniques sont là. Puis quand tu te mets à analyser ça, tu te dis ça, tout simplement, pas d'allure. C'est tellement gros. La fumisterie est tellement grosse. Mais il faut pas oublier que le monde ordinaire ne sont pas au courant que c'est un coup monté que l'élite est en train d'exécuter. Les policiers, les pompiers, les infirmiers, les infirmières, puis t'as plein de monde, les autres pensent que ça arrive vraiment. Donc là, tout le monde a vu cette photo-là. Je suis pas mal certain que tout le monde a vu cette photo-là. Elle a fait le tour. Là, t'as le Mandalay Bay Hotel qui est là. Puis là, et de la façon dont ils te montrent ça. OK, on commence, on décode la photo. D'abord, ici, on a les deux cornes. Hein? Voyez-vous les deux cornes ici, là, c'est en plein dans la photo. Ça, c'est un autre signe subliminal. Quand on vous dit que ce monde-là, ceux qui nous gouvernent, qui sont nos maîtres ultimes, parce qu'on est leur esclave, on est prisonnier de cette matrice, quand on vous dit qu'ils sont sataniques, là, regardez cette photo-là. Là, tu as le setup qui est là, parfait, pour démontrer clairement que c'est toute une patente à gosse satanique, une fumisterie des plus horribles. Bon, voyez-vous ici, là, hein? Très clairement, les deux cornes sataniques. C'est comme ça qu'ils réagissent face à j'en ai marre quand je les expose, quand je leur envoie l'eau bénite de la vérité, l'eau bénite de la de la justice. À partir de maintenant, ça va être publié sur Patreon seulement parce qu'il y a trop de trolls, il y a trop de bouffons, il y a trop de chimpanzés qui nous flaguent pour rien parce qu'ils n'ont aucun argument, mais ils sont là payés par des groupes probablement pro-fascistes, socialistes, communistes,